considère ça comme ton initiation. Ta mission, si tu l'acceptes, est de contourner la sécurité à l'entrée des locaux de Bloom, d'entrer et d'effacer ton profil personnel sur le site iOS. Je sais pas ce qu'ils ont sur moi, mais c'est des conneries. Et surtout, j'aimerais bien qu'on me lâche. Raison de plus pour un petit nettoyage. On te regarde. Essayez de suivre. Ah ouais. On t'a préparé une petite playlist pour te mettre dans l'ambiance. J'espère que t'aimeras. C'était quoi ça? Ça sert à rien, je te dis. Il est pas là. Bingo. Alors c'est lui? Il a une arme. C'est un problème? Les problèmes, je suis là pour m'en occuper, non? Lance le chrono. Ça m'intéresse. Ça y est, il est entré. Quoi, déjà? Non, c'est un synonyme, ça. Je veux une vraie réponse. Oh, c'est pas mon truc, les extraterrestres. Hey, les jeux vidéo non plus. C'est pas n'importe quel alien, c'est... Quelqu'un d'autre a un problème avec... Ah oh, non, pas ça! Déjà dit en plus. Ouais, mais j'écoute jamais, moi. Putain, j'en reviens pas. Thank you.
gouvernement de la ville, les questions que vous vous posez sont évidentes. Pourquoi le CityOS 2.0? Que peut-il apporter à la baie? Eh bien, la réponse tient en un mot, connectivité. Nous nous trouvons à la croisée du progrès technologique et du développement humain. À mesure que la technologie gagne de l'importance au sein des secteurs de l'éducation, de la santé, du gouvernement et des affaires, le CityOS crée un langage commun permettant leur interconnexion. Et la question devient alors, voulez-vous nous aider à en écrire le dictionnaire? Grâce aux travaux réalisés par les laboratoires de Bloom à Chicago, le CityOS 2.0 bénéficie d'algorithmes prédictifs de pointe. Loin de se contenter d'assurer la bonne marche de la ville, il analyse et réagit aux données et peut désormais prendre d'importantes décisions en fonction de divers scénarios possibles. Grâce aux multiples points de visibilité à travers la ville et à un réseau de plusieurs... à Auckland, mais il est né à... Non, son histoire, c'est qu'il traîne près du centre de ressources de DedSec et qu'il est plutôt doué. Alors on s'est dit qu'on allait le tester. En difficulté maximale jusqu'ici, personne n'a jamais réussi à effacer son profil CityOS. Je veux voir s'il est malin, têtu ou les deux. Le CityOS l'a défini comme suspect principal dans un cambriolage high-tech, alors. Il a été en cabane? Juste des travaux d'intérêt général. La seule preuve qu'ils avaient, c'est les algorithmes prédictifs du CityOS. Mais une fois dans l'engrenage... Toujours surveillé. Ah! Waouh! Il a tenté le coup! Il aura pas beaucoup de temps avant que les renforts arrivent. Peur de rien.
dans le système. Personne n'y est jamais arrivé. Putain, c'est comme découvrir le niveau des vaches. C'est quoi ces conneries? Ou alors, j'ai qu'à... Je vais laisser une backdoor dans le système. Ça me permettra d'y accéder plus tard. Désolé, Bloom, on n'en a pas encore terminé. Il ressort. Chope-le. Yeah. Y'a un truc qui a fait du bruit là-bas. Sur ma cible. C'est bon, je bouge pas. Dans ton cul, Bloom. En 2013, Chicago concrétise la promesse d'une ville connectée avec le CityOS, un système d'exploitation urbain alliant le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ces serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonné depuis le cœur de la Silicon Valley, le CityOS 2.0 est implémenté à travers tous les États-Unis, instaurant l'Internet des objets. Plus de 6,4 milliards d'appareils connectés servent désormais de points de collecte, consignant nos trajets et gestes quotidiens pour un système plus sûr et plus intrusif. Mais qui d'autre observe? Big Brother ne travaille plus seul. Des milliers de petits frères surveillent et enregistrent vos faits et gestes, constituant un profil numérique de vous qui pourrait être vendu, échangé ou volé en un instant. Les jouets analysent les enfants et communiquent leurs habitudes de jeu aux services commerciaux. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Les commandes de votre véhicule et les appareils mobiles peuvent être piratés à distance par n'importe qui. Vous pensez peut-être que ce n'est pas si grave, ou que vous êtes à l'abri, mais votre ombre numérique est déjà compromise.
Les compagnies d'assurance emploient des algorithmes pour surveiller vos habitudes et limiter vos remboursements. Les médecins prédisent l'année de votre mort et déterminent si votre cancer mérite un traitement. Les résultats de recherche et fils d'actualité sont manipulés pour influencer votre humeur et vos votes, générant des soulèvements sociaux à grande échelle. Vous avez moins de valeur que les données que vous produisez. Bienvenue dans la nouvelle réalité, où le contrôle est une illusion et se cacher n'est plus une option. Alors que les libertés individuelles sont menacées, la résistance s'organise. Sonneurs d'alerte, activistes et hackers se dressent contre l'ordre établi et accentuent leur vigilance. Mais sont-ils eux-mêmes un danger ? Ou les derniers défenseurs de la liberté ? Les derniers défenseurs de la liberté. Alors ? Je suis pris ? Bienvenue chez DeadSec. Moi, c'est Citara. Le petit jeune, c'est Josh. Nom de code, Hot Sauce. Mec, c'est toi, Hot Sauce ? Sérieux, tu m'as fait kiffer avec ton piratage de la fac. Merci. Lui, avec le masque, c'est Wrench. Live long and prosper. Et le beau gosse, là, c'est Horatio. Bien ou quoi ? Salut, mon frère. Alors, c'est ça, la team. Vous en avez mis du temps à venir me chercher. Vous avez vu ce que fait Bloom. Le CityOS fait pas que réguler les infrastructures. La quantité d'informations personnelles que ce truc récupère, c'est tout simplement n'importe ouais. quoi. C'est comme si Big Brother et son petit frère avaient décidé de fusionner. Hein ? Ils voient tout ce que tu fais et ils te dénoncent. Merci, Josh. Alors, on fait quoi ? On peut l'exploser, ils foutent le feu. Ou non mieux, les deux en même temps. Vu que toutes les informations sont centralisées, ils peuvent rejeter ton dossier avant même que tu l'aies déposé. Toutes nos félicitations. Votre demande de crédit a bien été refusée. Ta baraque, ton assurance. Ouais, mais attends, ça va encore. T'imagines ces données entre les mains du gouvernement, ils peuvent t'arrêter pour des trucs que t'as même pas encore fait. Ouais, je suis passé par là. Maintenant, je comprends mieux. C'est vraiment... Bon, vous savez quoi ? On va les baiser ! On est des putains de hackers, on a le cerveau, on a les balls. Faut qu'on dise la vérité aux gens, il faut qu'on leur montre ce que... Ce que fait Bloom, quoi. Il faut leur montrer que leurs données personnelles sont utilisées pour détruire leur liberté, putain. Merde ! J'ai installé une backdoor, du coup, on n'a plus qu'à rentrer. Attends. T'as quoi ? Il a installé une backdoor. Du coup, on n'a plus qu'à rentrer. Tout juste. Excusez-moi. Vous avez l'heure ? C'est bon, ça. Il est quand même un peu tard pour courir, non ? Tu fais quoi ? T'essaies d'échapper aux flics, c'est ça ? Peut-être que j'en suis, hein. Eh, hey, mais... Je t'ai déjà vu quelque part, non ? Amusez-vous bien. Essayez de traquer ça ! Dans ton cul, Bloom ! C'est l'heure de la vengeance, ma gueule. Allô ? Il est à qui, ce téléphone ? Ben, maintenant, il est à toi. Le mien à moi, il est où ? Dans l'océan, c'est là que tu l'as acheté, je crois. Enfin, je me rappelle plus, j'étais bien défoncée. On se retrouve à Kerspace. Où ça ? Regarde dans tes photos, tu devrais trouver.
Réveille-toi, putain. Mais je suis qui, là? Cause I could never make you happy. No, I'm not doing that, girl. Only wish I could love you so. Makes it so very hard to know. Cause I love you so. Merde. J'étais torché, c'est ça? C'est rien de le dire, mon ami. Va t'acheter des fringues et je te dirai où aller après. Ah, et tu vas avoir besoin de ton téléphone pour la suite des opérations. Alors pense à télécharger toutes les applis utiles avant de venir. Putain, je me tape la honte dès le premier jour. Concert de l'année. Bloc Party 2016. J'aimerais m'en débarrasser. Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? J'ai Charmika en ligne. Elle voudrait nous expliquer comment elle lutte contre la sécheresse. Charmika, t'as trouvé le moyen de survivre à cette folie? En fait, dans mon quartier, tout le monde a un carré de pelouse. Alors bon, je me suis dit, pourquoi on n'organiserait pas le concours de la pelouse la plus moche? C'est une bonne idée, vu qu'on peut même pas arroser le gazon. On laisse tel quel et on verra qui a le plus affreux au bout du compte. Et le vainqueur, il gagne une jardinière de chez Troupion ou autre chose. C'est une idée mortelle! Mortelle! Non seulement tu gagnes deux places, Charmika, mais on offre aussi deux places pour le concert à la personne qui gagnera ton concours. Super! Merci! Merci beaucoup! Et pour tous ceux qui ont déjà des places, s'il vous plaît, on vous en supplie, restez cool. Bis! On veut pas qu'il y ait de problème là-bas samedi. Personne n'a rien à prouver à personne. Tout le monde s'aime. Ok? Que du soleil, tous les jours, toute la journée, sur KBNT, la radio 100% hip-hop de la baie. J'ai fait une bêtise.
Il est déjà. Il va dire oui, tu crois. Je l'avais déjà parlé, mais déjà parlé. Il va dire oui, c'est sûr. Tu vas réfléchir. Check it. You're listening to Radio Bay Nation. KBNT. Take what you got and run the juice. USC Blitzy, furry frightened and freaking sickly.
a little prickly. Dick on display for winter swimming. Look at these kitties, Mike, I'm a rat-a-tat for living. I deal in dirty work, do the deed in a dash. Ditch him, I'll land a hammer that's stuck in a fist and gun position. We run a brand where destruction's the number one commitment. It's all a joke between mom, contractions, and coffin fitted. So we disappear in the smoke like we're fucking magicians. No hocus pocus, you simple suckers deserve to know. Top of the morning, my fist to your face is fucking Folgers. We might be giants, standing on little dandy shoulders. You purpose pussy, proverbial pansy panty holders. I Jake the Snaker, DDTM in mausoleums. Macaw massacres, killing cuts in my coliseum. They all actors, giving top and back of a beam. I fall back if your casting calls an ending in semen. Come on. I'm the foulest, no need for any evaluations. I'm the foulest, Johnson and Jimmy spraying faces. Any card that is sacred will get defacing. Like any tyrant murder gets replacing. Face it, the fellows at the top are likely rapists. But you like mellow out, man, just relax. It's really not that complicated. Well, part of me, I guess I'm just as sane as you explain it. Or maybe sanctifying the sadistic is deranged. This run the juices, murder, mayhem, melodic music. Psychotic use it to lose it, junkies simply abuse it. That's worth the filler, see more Hoffman, I'm pushing coffin. I probably smell like a pound when they put me in a coffin. The gates of hell, I'm pugnaciously pacing, waiting. I give a fuck if I'm late, tell Satan be patient. But I ain't here for due races, I'm just taking vacations. And tell a fuck them, I never loved them in salutations. Yeah, smooth sounds, Chuck English, the Young Bass. But so a regular youngin', but so ahead of you, I put a friend on the lead same time I was petting her. I'm the type to pull up in a new.
trop sympa que j'ai rencontré hier soir. Il est français, il est trop cool, merci. Super glued on, like a table you can place food on. Szechuan, all in on. Nigga, I'm hot like a place moving on. Ring, ba-bum, ba-bum. Aerosol can, ba-bum, ba-bum. Monkey outside, ba-bum, ba-bum. Shooting all night, ba-bum, ba-bum. Bang, stick a bomb, take a clang, clang, clang. Bang on it out like a renegade tank. Motherfucker transform to a grown man and transform again like. I'm hot like a place Tucson. BBC ice cream skewed on. No discounts, no coupons, but I got the Rolls Royce for the Grey Poupon. Jealous with your face screwed on. Who on? You on? People last night, they get booed on. The attitude get pissed and booed on. Yes. Fuck with peace. You. C'est moi qui m'occupe des déclarations d'impôts. Excellent. C'est bon, Citara. Je vais où maintenant? Je t'envoie ça sur ton portable. Et le code d'entrée pour la porte. Non, c'est pas une blague. Oh, pardon, désolé. Thank you.
Enfin. Bon, bah j'ai discuté avec Josh, il se trouve que ça faisait longtemps qu'on voulait s'attaquer à Bloom. Bon alors, il nous faut deux choses pour qu'on se fasse Bloom. Des gens qui soutiennent notre cause, histoire qu'on nous prenne pas trop pour des trolls. Et aussi des bots, un max de bots pour gérer les données traitées par le CityOS. Ouais, merci Josh. On a passé la nuit à modifier notre app pour que les followers puissent la télécharger et que nous, on puisse utiliser leur puissance de calcul. Et donc on le fait, on va vraiment le faire. Mais ouais, carrément. Allez, vas-y, on bosse là. Ouais, c'est clair. Les barbares sont aux portes de Rome, prêts à saccager la ville. On va organiser des opérations ciblées pour obtenir de la visibilité et faire marrer les gens. Comme ça, les gens, ils vont télécharger notre appli. Ça marche. Allez, t'en fais pas, on va commencer par un truc fun. Marcus, t'es vivant. Et tout sec. J'avais des doutes après ton bain de minuit. Allez, viens, faut que tu vois ça. Tada! Notre app de recherche propriétaire en open source. Donc, nous tous, on y rassemble toutes les vulnérabilités qu'on trouve et on encourage les gens à partager leurs travaux, leurs recherches, etc. Tu vois le genre? Ok. Et elle fait quoi de beau, cette application? On devient plus efficace, irrésistible, et toutes les meufs veulent sortir avec nous. Attends, c'est le genre, tu te branches et paf, tu connais le kung-fu? Si le kung-fu était une meuf et pas une référence des années 90, ouais, carrément. Regardez-moi cette merveille de technologie. Une imprimante 3D? Mec, ça c'est la Crosberta des imprimantes. Elle est capable de cracher un arsenal complet d'armes dévastatrices. Ah! T'es sérieux? Yep. Une fois que tu sais t'en servir, bim! Un vrai hipster trafiquant d'armes. Génial, sauf que je suis pas un hipster. T'essaies de convaincre qui, là? Allez, vas-y, essaie. Mais tu fais pas tout sauter, hein. Thank you.
Je suis content de voir un frangin ici. Et moi, je suis content d'être là. Vous êtes tous des hackers? Bah ouais, c'est un peu la base pour être dans un hackerspace. Mais bon, on a tous notre domaine. Par exemple, Josh, là, il fabrique tout le temps des trucs qui devraient pas marcher. En ce moment, il construit un drone de ouf. Et Range? Lui, c'est un bon ingénieur aussi. Mais il est plutôt branché déconstruction, tu vois. Et Citara, elle, c'est notre artiste et une graphiste. Sans elle, DeadSec ressemble à rien. Pas de son, pas d'image. Et toi alors, c'est quoi ton super pouvoir? Coordinateur tactique. Et sinon, j'aime les chats aussi. J'oriente DeadSec là où ça aura le plus d'impact. Primate, ça te dit quelque chose? Je commence à en avoir marre de ces hackers tout nazes. Ouais, je me suis déjà tapé contre eux. J'ai pas peur de recommencer. Ah, ça c'est cool! Recontacte-moi quand tu seras prêt à passer à l'action et je te dirai à quoi je pense. Vu qu'il y a régulièrement de nouvelles opérations contre Primate, tu pourras te rendre utile. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Franchement, là, je suis bluffé. Avant, on s'en servait pour afficher les flux d'actualité. Mais maintenant, c'est notre mur de followers. Donc il sait si on est trending topic? Non, non, non. Il utilise des chiffres réels. Combien de gens ont téléchargé notre app? À combien de puissances de calcul on a accès? Ce genre de trucs. Cool! Ah tiens, pendant qu'on y est, l'application DeadSec est en cours de téléchargement sur ton téléphone. Alors quand ce sera fini, tu l'ouvres, tu cliques sur l'opération suggérée et tu vas au parc à côté pour la tester. Ok, cool. Encore une chose. J'ai mis un rappel sur ton téléphone pour pas que t'oublies notre objectif. Obtenir assez de puissance de calcul pour se faire Bloom. L'organisation religieuse New Dawn accuse la conseillère municipale d'Oakland, Miranda Comey, de diffamation. Dans une récente interview, la conseillère avait décrit l'organisation comme, je cite, « une vaste escroquerie organisée ». L'organisation semble avoir riposté avec plus que des poursuites. La vie privée de la conseillère a récemment été exposée à travers la mystérieuse publication dans les médias de son dossier médical et notamment de ses traitements transgenres. Un porte-parole de New Dawn a déclaré que l'organisation n'était pas responsable de la divulgation du dossier et a accusé la conseillère Comey de chercher désespérément à attirer l'attention. Un
œil à son profil CTOS, il y a plein de balises cheloues qui sont apparues. Problèmes émotionnels, instables, et même un score de maturité mentale assez faible. Du grand n'importe quoi, il est rapidement devenu l'âme activiste du groupe. Pour lui, la vie se divise en noir et blanc, juste et injuste. Du coup, il peut te sortir des réflexions si sensées que marrantes. On a vu ce que le CTOS lui a infligé. Programme de suivi rejeté, réduction des financements, surfacturation. Alors on lui a proposé de l'aider à améliorer sa situation. Quand on a rencontré Josh, il avait les bonnes intentions mais pas la bonne approche. Comme un laser qui ferait un joli son et lumière au lieu de découper du métal. En tout cas, si le système de Bloom veut le rendre inemployable, on va se faire un plaisir de l'accueillir et d'utiliser ses talents contre eux. Les opérations du DedSec d'origine à Chicago étaient coordonnées. Tous les membres travaillaient vers un même objectif. À ce qu'on raconte, le collectif était dirigé par un groupe secret, le Conseil des Daves. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui donnait le cap. J'ai fait pas mal de recherches sur eux, j'ai même participé à 2-3 de leurs opérations. Je voulais faire comme eux, voir ce qui marchait pour l'appliquer après chez nous. Sauf que les membres de DedSec San Francisco auraient pas pu être plus différents les uns des autres. S'il y avait un éventail qui allait de l'anarchiste à l'activiste, je pense qu'on le couvrirait entièrement. Mais il y a un truc qui nous unit, c'est qu'on a tous des raisons de détester les Big Data, et plus précisément Bloom et son CTOS. J'ai supervisé nos opérations, fait en sorte que nos gars se retrouvent là où ils doivent être avec les outils dont ils ont besoin. J'ai des yeux et des oreilles un peu partout. En gros, j'ai allumé la mèche. C'est plus qu'une question de temps avant que Bloom ressente l'explosion DedSec. Direct à un ancien artiste de rue. Sweet Tea, tel qu'on l'appelle dans sa communauté, nous présentera un nouveau recueil de ses œuvres ainsi qu'une nouvelle ligne de mode, comprenant t-shirts, casquettes et bijoux. Ça promet d'être intéressant. J'ai suivi un peu le nouveau, la rétro. J'aime bien son style, il a vécu à Auckland. En fait, c'est là-bas qu'il s'est fait sa réputation de hacker. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur ce qui s'est passé. Le Home Domain Center avait un accord avec la sécurité nationale. Ils ont installé des caméras dans tout Auckland et ont commencé à accumuler des infos sur tout le monde. Va savoir pourquoi le système a ciblé Rétro et l'a déclaré principal suspect d'un cambriolage dans une boîte high-tech locale en se basant sur ses seules compétences en informatique. Toutes les preuves étaient numériques, il n'y en avait aucune qui démontrait sa présence sur les lieux. C'était du grand n'importe quoi, des témoignages de types qui connaissaient rien, des mensonges partout, juste histoire de faire peur aux gens. Ils pouvaient pas admettre qu'il y avait une faille dans leur système. Rétro a eu de la chance. Le juge a décidé de pas trop s'acharner sur son cas. Du coup, il a juste eu des tiges. Rien de trop pénible. Il a dû bosser avec des gosses. Il en a profité pour leur révéler la vérité sur les systèmes en place. Sûrement le meilleur cours de leur vie. Mais Rétro comptait pas lâcher le HDC. Il a fouillé leurs données et piraté les comptes des plus gros membres. Il a exposé au grand jour à quel point le système est corrompu. Jolie victoire, hein? Bah, pas tant que ça en fait. Il a mis une belle fessée au HDC, c'est sûr. Le programme a pris un sacré coup.
Parlons un peu de Citara. C'est elle qui gère DedSec dans la baie. Le hackerspace? Bah, c'est elle qui le paye avec de l'argent emprunté. Toutes les affiches de DedSec, les flyers, c'est Citara. Elle a même contribué à notre toolset en trouvant un des premiers Zero Days dans le CityOS 2.0. Certains la surnomment Madame la Présidente, mais perso, je la vois plus comme une capitaine pirate. Elle peut te mener au trésor, mais si tu l'emmerdes, elle te balance au requin. J'ai eu une longue discussion avec elle un jour, et j'ai su d'où venait sa motivation. Ses parents vivent à Kolkata et ils sont pleins d'études, en mode l'ascenseur dans le salon et tout quoi. Ils l'ont envoyée dans des universités prestigieuses.